5. C'est bon, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est avec Erreur sur Unlisted. Bonjour. Je vais péter deux tanks. Je suis nul. Oh, dans la minute où je filmais pas. T'inquiète pas, je repéterai entre temps. Ah, Ça t'as déjà commencera à jouer. 450 de score, moi j'ai 67. Oh là 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 là. Ah ouais, j'ai déjà pété deux tanks. Alors, dans ce coin, j'aime bien ce spot là, moi. C'est trop bien d'avoir plein de vie, je viens de prendre un coup et je suis même pas mort. T'imagines les persos qui ont tous ce bonus? Les gens qui ont des équipes avec tous ce bonus? On va se mettre des munes. Après, sur les snipers, c'est pas possible de l'avoir, mais. Pas sur les snipers Ah. de base en tout cas. Ok. Oui, mais il y a 3 niveaux de sniper si je dis pas de bêtises. À mon avis, le niveau 3 il peut. Ouais, d'ailleurs, les frappes super là qu'on Ouais. trouvait pour les. Soldats radio, c'est juste des soldats radio avec des level up. Hein. C'est pas des soldats radio 2 ou 3. Soldats 2 ou 3, leur seul avantage, c'est d'avoir un peu plus de Ok. trucs Et là. ils ont pas le Ou même plus de bonus par points. défaut aussi. Ouais. Tank là-bas. Ah, y a du monde dans le point. Enfin, Ah presque ouais, où dans le ça, où point. ça? À cette entrée-là. Là, y a des ennemis, j'aime pas. J'en ai eu Y'a un tank 3. aussi que j'ai ping, mais. Je pense que ça suffit. Ah oui. Ah dommage, j'ai pas mon anti-tank, mon anti-chat. Aïe. Bon, ça sent la partie qu'on va gagner sans trop d'efforts. Ouais. Sans vouloir trop me Je suis un peu prononcer à ça depuis tout à l'heure, ou l'avance. alors je me fais poutrer en attaque en perdant tous les soldats en général. Y a un sniper bien loin. Je vais le déloger. Ils sont pleins dans les forêts parce qu'en fait, quand dès qu'ils passent, je les tue donc il faut attention. Où est-ce que je suis avec ce soldat là? Ah, je suis juste un tout petit peu plus loin, ok, j'ai eu peur. Ah, mon checkpoint t'a pété? Le Non. mien, non, non. Non, le mien, non, ouais. Mais je l'ai pas vu sur la carte. Le mien, il est derrière. T'as dû le croiser, déjà tu l'as pris. Bien sûr, il tente de se faire discret, mais il a fait bouger une grande feuille blanche. Aïe. Je rate mes pré-shots, ils ont déjà perdu 400 soldats, ils vont se faire poutrer. Hein. Ah, ça a l'air parti pour. On sent que j'ai dû tuer moi-même des soldats. Ouais, j'abuse un peu. Ah non, pendant l'aliment est encore actif. Ah, fumigène, ça va sûrement passer. Ah ouais? Ah mince, j'ai donné un ordre à mon soldat. Je
unité. Aïe. Wow. Ah, y a pas mal de tapis. Ah, j'ai pu passer comme ça. Tu vas tirer trop loin quand même. J'ai déjà fait 32 kilos snipe. Y a beaucoup de monde dans le coin en bas, au fond à droite. Je peux pas viser au fond à droite, attends, je vais me déplacer du coup. Putain, mais y'a un vieux tank qui se place devant moi. Surtout s'allonger. Ah, ok. Je sais pas si je peux faire un truc, mais. Non, j'ai pas la main pour moi. Moi, j'ai touché autre chemin, mais quand ils sont déjà je pense qu'ils sont rentrés, vu le nombre qui sont dans le coin. Je suis mort. Ça rentre toujours le même coin. Ouais, ouais. Les gars qui contournent à gauche nos tanks. On les a nettoyés au fond à droite. Ouais, ouais. Aïe. Moi je tue les gens qui contournent le tank là pour essayer de le péter. Enfin, nos tanks. Parce qu'ils font rien, ils font pas du tout gaffe les tanks, mais il y a une team entière qui est en train de leur rush dessus. T'as mis des ping au cas où? Bah, du coup, j'ai perdu mon unité, casse les couilles. En voulant mettre des pings, j'ai perdu mon temps. J'étais à 26 kills avec mon sniper. Ah, bon, je suis mort. Est-ce que je prends l'avion? Ouais, je vais faire un petit rush à l'avion. Sur cette carte, il est trop nul l'avion parce qu'il apparaît beaucoup trop loin. Il y a genre 3000 mètres entre le point et l'autre. Je peux quand même rush et t'amuser un peu. En fait, mon point il est un tout petit peu plus proche que le tien. Il y a un autre gars qui a dû en mettre un qui était pas mal. Mon mieux c'est celui qui est avant gauche en fait. Genre qu'elle est le plus à l'avant possible à gauche. Mm-hmm. On a plus de tanks par contre. Nos deux tanks se sont fait péter. Il n'y a pas d'avion ennemi. Si c'est un avion ennemi ça? Non, c'est un avion ennemi. Ah, trop tard. Les trucs que tu as pour te péter les tanks en tant qu'ingénieur, tu peux les déplacer. En changeant de place, le soldat qui est à côté de toi, il peut déplacer le truc. Et vous pouvez vous déplacer et bouger. Oh oh. Pour te remettre face à un truc. Et ça bouge assez bien et assez vite. C'est pas énormément avancé non plus, mais... Les canons anti-chars. Ah ouais, ouais, ouais. Du coup, ils deviennent mieux que ce que je croyais. Ah bah oui, nettement. Plus coincé dès que... Quoi? Oh non, c'est trop chiant ça. Je mets un explosif sur le véhicule, il prend rien. Oh, j'ai perdu tous mes soldats à cause d'une roquette d'avion.
Ah, voilà. Et ça fait bim bam. Allez, moi je recharge mon anti-tank. En fait, ça dépend des tanks. Il y a des tanks mieux vaut taper dans leur roue et des tanks mieux vaut taper seul dessus. Waouh. Moi j'ai envie Et de plutôt à croire. l'arrière. Moi j'ai envie de croire que si tu mets quelque chose sur le tank, sur le Non. dos du tank, sur l'arrière du tank, Ouais. c'est toujours le meilleur spot. Bah non. C'est très inaccessible, mais. Peut-être l'arrière, mais le haut pas toujours. Le haut, non, le haut pas toujours, mais le haut en arrière, juste Le haut au-dessus en du arrière moteur, peut-être. c'est vraiment un spot nickel. Ouais, faut juste réussir à mettre dedans quoi. Il y a un gars chez nous, il se fait une petite ligne droite sur la porte. Et il se fait plaisir dès qu'il se passe les ennemis. Ah. Moi, snipe ce qui passe avant. On va partir avec mon sniper là. Bonjour. Bonjour. Il nous reste 100 soldats avant la Oh, fin de la il leur partie. reste. Non, il Il leur leur reste 100 reste. soldats. Calme-toi, on n'est pas un folle de perdre non plus. Là, on a la forêt là-bas. Il y a des tapis dans la forêt. Ah oui. Ah, le mec, il est là-bas. C'est trop facile le spawn kill, hein. Voilà, surtout ils sont pas très bons donc. Ils ont aucun point de ralliement qui est bien placé. Ouah, ils sont pleins à arriver là par contre. Ce sera une boucherie. Ouais, y'a un lance-flamme qui se fait plaisir chez nous. En fait, ils foncent tous tout droit comme des malades. Y'a un tank juste devant. Ah merde, tu as raison là. Un tank en plein milieu. Ah, parfait, donc. Ah, pour ceux qui ont une batteuse, là, c'est un bonheur. Ils sont tous en face. En fait, c'est pour ça que les avions chez nous ils se font plaisir. Le deuxième, c'est un aviateur, il arrête pas de lancer des bombes au même endroit et en fait il tue des gens à chaque fois. Il y a aussi un gars chez nous qui est vraiment collé à mon point de ralliement, donc tout au fond, avec une batteuse qui se pose. Il arrête pas de tuer les ennemis comme ça. Garde une des deux portes, c'est ça? Moi je suis à gauche, moi je suis à gauche en plus. On est deux à garder la porte. La même. Ouais. L'autre porte, par contre, elle est un peu plus. Ouais, moi, y a plus personne. Ah, si, y'a un gars allongé. Ah, y'avait. Avant que je fasse un barbecue. Oh, mais erreur, tu m'en laisses même pas. Ah, y'en a un. Tu l'as laissé passer, lui. Ah. Ah, y'en a plein qui arrivent. Ah, j'ai battu tous mes soldats par contre. Ah, y'a un char, c'est peut-être ça. Ouais, je sais pas. En vrai, maintenant je me suis habitué à n'en avoir rien à faire. À part si c'est hyper galère d'accéder au point, quand t'es en défense, tu perds tes soldats, tu t'en fous. Là, y'a des gars.
11 secondes, 0 soldat, ça sent la fin pour eux. Ah ouais, ça sent assez fort. Enfin, ça fait longtemps que ça sent la fin pour eux. Bah voilà. GG. C'est très court. Aussi, on les laminait. Hein. Les deux avions chez nous qui arrivent. 17 minutes quand même. Regarde tous les trucs que j'ai. Broyeur, maître des explosifs, multi-rôle. Meilleur canonnier AC, meilleur sniper j'imagine. Et meilleur soldat d'assaut. Oh. J'ai pas eu meilleur ingénieur, un peu décevant. J'ai un de mes persos que 3 trucs. J'en ai eu un guerrier polyvalent. Ouais, en même temps j'étais premier. Donc... T'as fait quoi? T'as fait premier dans l'équipe, meilleur escouade d'infanterie, soldat d'assaut, sniper, canonnier. J'ai tout fait. Destructeur de chars, maître des explosifs. Oh là là. Vraiment du professionnalisme. Alors, comment je t'invite, Axo Beno? Si tu es encore avec nous. Je suis encore avec vous. Ok. Par contre, c'est fou comme il level up plus mes soldats. Par contre, il faut que je me rachète un soldat de lance explosif, j'en ai pas. Est-ce que tu as le même pseudo sur Discord j'ai et sur le jeu? Complètement le même. Super. Parce que là, j'ai mes deux super soldats fantassins, mais. Qui sait jamais. Je t'ai invité. Mais si c'est toi qui fais la squad horreur, il faut que ce soit toi qui l'invite. Ouais. Tu peux pas l'inviter toi, c'est ça? Je crois pas. J'ai pas de bouton pour ajouter des gens dans les squads. Je vais l'ajouter en ami aussi alors. Normalement, je t'ai invité. Je t'ai ajouté en ami déjà. J'ai reçu. Ouais, ok, c'est bon. Invité dans la bataille, c'est bon. Donc, du coup, j'ai pas d'autres soldats qui sont vraiment bons après, c'est un peu le souci. Me voilà. Super. C'est parti. Ah si, peut-être lui quand même. Non, 24. Ah non, c'est un 12, il est mauvais. J'ai rien dit, si je le dis encore pire. Après, il faut que je reprenne des snipers. Moi, j'y joue pas tant que ça. En vrai, ils sont bons, hein. Mais j'en joue un qui est très bon et c'est tout. Moi, c'est lance-flamme. Après, c'est le génie. Opérateur radio et un puma. Ok, ouais. Moi, la place de... c'est la même chose, jusqu'à la place d'opérateur radio, j'ai une squad de rush. C'est tout. Ouais, pareil, j'ai comme erreur alors. Non, j'ai pas génie, j'ai sniper aussi. Mais j'ai un bonhomme de génie dans chaque squad, alors je considère que ça suffit. Ouais, moi je trouve que c'est bien ça. Mais... Enfin, je trouve ça bien, mais je trouve ça tellement bien les trucs anti-tank et anti-avion. Les trucs anti-avion, ça permet de faire tellement de scores dans une partie. Ouais. Tu peux rajouter 1000 ou 2000 de scores juste avec les trucs anti-avion. Donc en vrai, je trouve ça intéressant. On est en attaque. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir les soldats du génie. Mais c'est pas ça, j'aime bien la squad du génie. Tu prends un avion, tu fais le truc anti-aérien, tu les pètes. Ouais, s'ils sont vraiment bons, ils les pètent très souvent, mais... Généralement, ils sont assez mauvais, les avions. Ils vont pas péter les trucs anti-aérien, et du coup, dès qu'il y en a un qui pop, tu les pètes. Je déploie mes lance-flammes. Ouais, moi je pars en squad d'attaque. J'ai pris lance-flammes aussi. On a un tank avec nous en plus. Ah bah. Pratique. Je vais lancer du gaz moi. Là, il est sur eux, ça commence à faire des dégâts. Oh, je me suis fait shooter par les flèches. Ah, je me suis fait envoyer sur le côté. Il y a une mitrailleuse là qui fait le temps. Elle est morte, je crois. Je vais quand même essayer. Je vais contourner un peu le champ. C'est des chars alliés ou des chars ennemis? Chars alliés? J'envoie un copain. Je relance encore du gaz. Vas-y.
plein à passer par là. Oh, mais ils sont pleins de l'autre côté du mur en fait. Ah ouais, mais jusque moi je peux pas passer par la fenêtre. Ah, je me suis fait poutrer la plupart. J'ai un pack explosif si jamais il faut plus tard. Ouais, j'en ai sur toutes mes unités, moi je sais pas. Il y a des monde devant toi, erreur. Ouais, j'ai ça, je peux pas le péter. Un char? Non, non, mais le véhicule, le gars devant moi. Je peux pas le buter, il est trop devant. Il était caché derrière un truc. Il est mort. Encore là, il y en a un juste là. Il y a du monde dans la maison aussi. Ok, je suis rentré, on a tout le point, ils ont pas un seul gars dans le point. Ok. J'ai un peu nettoyé le côté gauche. Il y a des alliés qui font tout exploser. On a le tout le point, on va pouvoir aller à la suite après. Y'a un sniper bien caché. Ouais, y'a un tapis qui là-bas. Ah, en face, ah ouais, ok, ouais, bah il m'a suivi aussi. Là, je pars en avion, vers une rafale de roquettes. Moi, je prends mon char. Cadeau, hydrodonate, tu peux mettre un point à l'endroit où t'es? Un point d'aliment? Un point, ah non, c'est bon, ok, je vois. Non, non, un point, point. J'ai fait 5 kills dans le point. C'est toi qui as tiré? Ouais, c'est les roquettes. Pas mal. C'est les roquettes qui touchent un tir. 1-1. Ah, mon sang. 5 kills. Je vais recharger. Le point était vide quand je suis mort. Ouais, mais j'en ai tué 10 avant, enfin 5 avant le point. Je crois. Ah, ça peut être une équipe qui revient. Du coup, je vais continuer un peu en avion vu que ça a été efficace. On a pété mon champ. Ah, ouais, déjà? Ouais. Bah, je vais revenir, j'ai un petit côté du génie. Ouais. Y'a pas d'avion ennemi donc... Voilà, en tout cas pour l'instant j'en vois pas. On a un petit Panzer 3. Ah si, y'a un avion ennemi, y'a un avion ennemi. Tu peux pas en enfer? Tu peux, ouais. Peut-être plus d'avion ennemi mais je suis pas sûr. Je sais pas, je vais appeler. Bah là je le suis en fait et je l'ai déjà fait, je l'ai déjà pété quelque chose. Il n'y a plus d'avion, il aurait été dans le passé. C'est définitif. Je l'ai passé, il a mis deux roquettes, il est mort. Bon, rendre mes roquettes, mais elles ont touché personne, donc je sais pas s'il y a des gars sur le point ou pas. Pas ennemi. Ok, ouais, c'est pour ça que je touche pas. Ils sont même probablement un peu loin. Les ennemis. Bah, je fonce récupérer des balles et je verrai bien ce que je peux faire. Ils sont sur le côté gauche. Ok. Je vais recharger des balles. Si vous voyez des ennemis, je veux bien parce que du coup là je sais plus du tout où on est. Enfin, mais là je tire mais je vois, aller, plus, mais je vois plus trop les ennemis. A ta place je tirerais un peu avant le point. Je me suis crash, moi j'ai fait ouais 6 kills. Ouh, je me suis pris un obus. Il y a un avion ennemi je crois. Ouais, qui vient de canarder là. Je vois. Oh, ah, il a pété, voilà. C'était un rush d'avion ennemi. Ah merde, je sais pas. Ah non, c'est un trucalier. Ah non, c'est pas un trucalier. Bon, bah, j'ai failli mourir, mais plutôt bien. Ça fait très mal. Oui, il est au sol, c'est le chaos. Ok, il y a un avion allié. Le, notre char, il est pété. Je lance une flèche. Under 3 il... ça va ici. Je
J'avance avec ma squad ici, moi. Je prends mon unité lancement. La frappe, la frappe elle touche, je crois. Elle a touché, minimum. Ils sont pleins à l'intérieur. Oh, j'ai tué plein de gars avec la frappe. Plein. Si tué. Y'a plus place en dessous. Y'a un char. Ouais. Je vais lancer des flammes dessus pour à peu près. Ça ou ça? Ah oui là. Ah. J'ai eu un assist. J'ai un assist. C'est bien le crevage. De toute façon on va voler le point et après on se barre. Ça va être assez vite. J'essaie de mettre un point de ralliement dès que je peux. Vas-y. Les gars qui passent. Pour l'instant je suis sur le point mais je vais attendre mon cap comme ça. Je peux me sortir après. J'ai avec mes génies. Ouf. Moi j'ai plus beaucoup de soldats, je pourrais pas mettre de points. S'il te plaît. Ok, non, là, je vais avec... Oula, ils sont pleins là. Il y a du monde devant là. Ouais, t'inquiète, j'ai vu. Bah, il est même trop proche. L'avion il est déjà pris, je pars en lance-flamme. Enfin, si quelqu'un peut mettre un point, ce serait cool. Ah, je suis mort aussi. Moi, mon génie il est mort. Parce que le point en fait que j'ai spawné est hyper loin quoi. Ah, nouveau point. Okay. Ouais, c'est bon, je vais prendre ma squad normale. Beaucoup squad d'attaque. Le flanc gauche. Ouais, moi je fonce avec la squad d'attaque. Il y a un gars qui s'est fait plomber devant moi. J'ai pas vu par où. En face. Il est au niveau du badge, je l'ai buté, il devait avoir une team. Alors tous ses petits copains à côté, j'imagine. Pour l'instant je le vois pas. Il y a un mort. Je vais rush sur le point, moi je vais... Il y a encore du monde de l'autre côté du mur. Touché, tu peux placer un point là, erreur ou pas? Je sais pas du tout pour placer un point. Ok, ok. Je place si je peux. Il y a personne sur le point, personne. Ah. Bah oui, ils étaient 4. Au cas où j'ai mis un point de ralliement. Bonne idée quand même. J'ai raté le tank. Je l'ai pas raté la deuxième fois, mais il est quand même pas mort. Oh, il a pété, c'est bon. J'ai demandé une frappe d'artillerie. Je sens qu'on va les poutrer. Hein. Je canate dans le tas, ils sont pleins à courir vers nous en fait. Si vous voulez faire plus. D'artillerie était inefficace. Oh ouais, généralement c'est pas très efficace. Surtout sur les points avec un mur comme ça, si il n'y a pas de sur le point. Moi je rush, je pars à fond sur le point. Ouais, moi aussi je veux. Et je vais essayer de cap direct. C'est l'église, donc ça va être la merde. Il y a des ennemis sur le point, je sais pas tout à fait où, mais il y a des ennemis. Je sais pas. Regarde le côté droit, gauche. C'est bon. Carabine comme ça. Là, c'est un petit truc que je fais, c'est vachement utile. Ouais, en vrai c'est pas mal à ce moment là, je suis d'accord. Voilà, j'ai pas d'ennemis donc. Monsieur j'en vois pas. On n'a pas pour l'instant derrière. Bah, je sens qu'on va les poutrer hein. On va juste voler ouais, pour ça a l'air parti pour moi. Attends, on est arrivé, on a déglingué la seule escouade qu'il y avait ici. Ouais bah ouais. Déjà il y avait un galage mais ça n'était pas à ça. Hein. Je m'attendais à arriver qu'il y ait personne.
Bah GG. Hein. Bien joué. C'était très très rapide. En effet. Ça, je préfère l'attaque. Parce que ça peut arriver ça, alors qu'en défense, c'est de toute façon. C'est dur en défense, mais bon, t'as déjà quelques fortifications. Ouais, en défense, en vrai, c'est tout ça. Ça dépend quelle carte en fait. Il y en a des qui sont plus ou moins durs. Mais du coup, j'ai aucun perso qui a level up.